Et souviens-toi, tu dois me laisser faire. Oui, d'accord. Alors, Clamp, où est-elle? Sire... Oui? Crochat a quelque chose à vous dire. Noix de coco en cristal? Pas eu. Tu sais ce que j'ai en main, Clamp? Non, sire. Comme tu le sais, je rédige mes mémoires afin qu'elles soient dans les archives à côté de l'histoire des méchants les plus connus. Très bien, sire. Ce projet est remarquable. Remarquable, sire. J'en suis pour l'instant au chapitre 399. Je n'ai plus qu'un chapitre à écrire. Est-ce que tu sais quel sera le sujet de ce chapitre? Je dois dire que je ne sais pas, sire. Je raconterai comment j'ai réussi à voler la noix de coco en cristal à ces singes du Néandertal. Oui, mais je ne peux pas l'écrire si je n'ai pas la noix de coco en cristal, pas vrai? Non, sire. Ou plutôt, oui, sire. Enfin, ne vous inquiétez pas, je travaille déjà sur mon projet bébé. Il s'agit de faire un... Tais-toi! Fais-le! Salut Dixie. Bonjour Candy. Salut les gars. Salut, ça va petit bébé Kong? Eh, les filles, vous venez pêcher avec nous? Impossible, on doit garder bébé Kong tout l'après-midi. Oui, nous on n'a pas le temps de s'amuser. Garder un bébé pour moi c'est amusant. Oui, c'est sûr. Bah, quoi? S'occuper d'un bébé, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail et de responsabilité. Faut pas exagérer, c'est pas éreintant. Ouais. C'est juste un bébé. Si vous croyez que c'est si facile, alors pourquoi n'essayez-vous pas tous les deux? Oui, nous on va à la pêche et vous les gars, vous gardez le petit, d'accord? C'est d'accord. Parfait. Salut, à plus tard. Et bonne chance. Vous en aurez besoin. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Moi, je voulais qu'on aille pêcher. Calme-toi. Je te parie qu'on va encore plus s'éclater qu'à la pêche. Tu peux me dire quand est-ce qu'on commence à s'éclater? Allô, baby, calme-toi. Non! Je l'ai. Attention au miroir! Tu peux pas faire quelque chose pour qu'il arrête de pleurer? La ferme! T'as réussi à le faire taire! Pas difficile. Tout ce qu'il faut, c'est un ton ferme, un peu de discipline et tout est sous. Ah, ça oui, t'as réussi! Il s'est enfui! Baby Kong, reviens! Attention, Baby Kong! Non! Hey! Non! Hey! Non! Hey! Si! Doucement, Baby Kong! Non! Non, pas encore!
Non, c'est toi qui lui dis. Mais t'avais dit que ce serait toi. Oublie ce que j'ai dit, c'était avant, et maintenant, c'est maintenant. Et maintenant, je t'ordonne de le lui dire. Oh, madone miséricordieuse des chariots abandonnés, on va finir en chair à pâté. Alors, où est la noix de coco en cristal? Eh bien, votre ignominie, Krusha l'a cassée. Non, c'est même pas vrai. C'est lui qui savait pas où aller. Je vous préviens, espèce de débile, si vous ne rapportez pas la noix de coco avant que je ne commence à écrire le dernier chapitre de mes mémoires. Eh bien, voyez-vous ça? Quel bon vent t'amène ici! C'est la galère, Didi, je suis perdue. Oh, mais non, t'inquiète pas, ça va s'arranger, on va retrouver le bébé. Je l'espère. Pourquoi quand un gorille broie du noir, il doit garder l'espoir? La confiance et laisser l'optimisme lui montrer le chemin. Je sais pas. Et si on commençait par suivre ses empreintes? Ça, c'est ce que j'appelle des empreintes. Je me demande où il va. En tout cas, il ne se dirige pas chez Candy ou Funky, parce qu'ils sont par là. Il va pas chez Bluster non plus, parce que la fabrique de tonneaux est par là. Alors il doit se diriger chez... Le voici. Je savais qu'un jour, ça me serait utile. Salut, petit soldat. Pour un singe, il est plutôt malin. Contrairement à d'autres. D'accord, King Karul. Cette fois-ci, tu es allé trop loin. Kidnapper un bébé innocent. Quelle honte! Un kidnapping? Et ce bébé est entré ici de sa propre volonté. Il est par le fait même notre invité. Tu vas nous rendre... Ou Donkey Kong va t'écraser la tête. Calmez-vous, allons. Pas besoin d'avoir recours à la violence. Je propose une négociation. Pas question! Donkey, c'est une bonne proposition. Ça veut dire faire un marché. Oh! D'accord. Alors vas-y, négociationnons. Je vais vous rendre l'enfant. Bien. Dès que vous m'aurez livré la noix de coco en cristal. J'ai les poils qui se hérissent. J'emmène Baby Kong maintenant. Et ce n'est pas toi qui vas m'en empêcher. Non, mais eux le peuvent. On va te chercher ton jouet. Tu vas t'y prendre pour voler la noix de coco en cristal à la barbe de Cranky. Pas voler, emprunter. Et juste le temps de récupérer Baby Kong. Toi, tu l'occupes, tandis que moi, je fais le reste. Salut, Cranky. Tu veux apprendre la nouvelle danse à la... Fiche le cran, espèce de babouin sans cervelle. Tu m'as réveillé. C'est facile. Allez, essaye. Allez, Cranky, c'est super. Non, mais t'as pété les plombs. Fiche le camp d'ici. Boost. T'aurais pas pu le danser, de toute façon, parce que t'es trop vieux. Oh, tu crois ça? Je vais te montrer. Vas-y, vas-y. Wouh, t'assures comme un chef, Cranky. Je te l'avais dit. Tu peux faire ce truc-là? Ah oui. Je te l'avais dit! Vas-y pour le grand tourbillon! Didi! Jamais je n'aurais cru qu'on puisse s'amuser autant avec un bébé. C'est ça. C'est ce qui m'a manqué pendant ces dernières années.
J'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui léguer le don de mon infinie connaissance. Quelqu'un à qui léguer ma couronne, mon titre, mon trône et tout. Quelqu'un qui saura apprécier le génie de mon infamie et qui suivra mes traces pas à pas. Un prince, un héritier, un fils. Voici ce que tu as demandé comme rançon, la noix de coco en cristal. Trop tard, j'ai changé d'idée. J'ai décidé de garder bébé Kong et de l'élever comme s'il était mon fils. Je vous présente Prince Coco Junior. Coco Junior. On n'a plus le choix maintenant. Il faut dire la vérité avant que la situation n'empire. Tu as raison, ça ne peut pas être pire. Je suis parfaitement d'accord. Candy ! Oh, je... C'est parce que... Eh bien, c'est... Oh, le bébé s'est endormi. Et... Je voulais te dire combien j'étais fière de toi. Fière de qui ? Tu as donné la preuve que tu étais responsable. Oh, à ta place, je ne dirais pas ça, Candy. Eh bien, moi, si. Tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé chez un singe donkey. Lui ? Qui, moi ? Oui, il n'y a rien de plus séduisant qu'un grand singe fort et puissant s'occupant d'un petit bébé. Chut. Allez, continue ton travail. À plus tard. Oh, Didi, je dois ramener Baby Kong. Et vite. Oh, dommage qu'on n'ait pas deux bébés. On aurait pu faire l'échange. C'est une idée géniale. On va échanger Baby Kong avec un autre bébé. Oh oui, c'est ça. Et où crois-tu qu'on va trouver un autre bébé? C'est vrai que je suis ton copain, mais tu crois pas que ça va un peu loin et que c'est très exagéré? Mais c'est pas pour m'aider moi, tu le sais bien ce service, c'est pour aider Baby Kong. D'accord, je te rends ce service, mais tu m'en devras deux. Ensuite, j'ai pris le tonneau d'explosifs et je l'ai lancé sur la cabine de Cranky. Et badaboum, il était furieux contre moi. Oh, Prince Croco Junior est fatigué. Oh, très bien. Nous lirons une autre histoire de mon livre de mémoire plus tard. Pour l'instant, tu dois faire un gros dodo. Je cherche un petit prince qui suivra mes traces et sera un vrai sphinx. Un héritier à qui léguer mon trône et mon nom que je prône. Ainsi que ma lignée plus qu'honorable nourrie au sein du despotisme et de la tyrannie. Excusez-moi. Tu es mon prince, fils spirituel. Tes méfaits seront naturels. Mon héritier, ma petite brute. Tu seras vilain, je le suppute. Tu poursuivras ma politique. Quand je serai vieux, tu me seras sympathique. Tu règneras sur les marais. Tu auras une belle carrière et le succès. Je transmettrai ma méchanceté grâce à mon fils et gouvernerai l'univers avec une poigne d'acier. Tu es mon prince, fils spirituel. Tes méfaits seront naturels. Mon héritier, ma petite brute. Tu seras vilain, je le suppute. Fais un beau gros dodo. Babou, idiot, le bébé! Bravo, voilà ce que vous avez fait! Je me retire dans ma bibliothèque et quand je reviendrai, ce bébé doit dormir. Sinon, c'est vous deux qui dormirez pour toujours! Oh, je sais, je lui raconte une histoire! Oh oui, j'en connais une bonne! Je vais lui raconter ma vie de troufion avant d'être général!
Ma section stationnait dans les marais. C'était à la mi-juillet. Je m'en souviens parce qu'on se faisait dévorer par les moustiques et qu'on crevait de chaud. On aurait pu faire cuire un œuf sur mon casque tellement il faisait chaud. Et mes pieds sentaient presque aussi mauvais que la cuisine de maman. Ça y est, il vient de s'endormir. Hein? Je lui ai même pas raconté la meilleure partie quand j'ai perdu la goupille de ma grenade. C'est le jour où j'ai rencontré Kenkaroul. Il n'oubliera jamais ce jour-là. Comment va-t-on faire l'échange avec Baby Kong si ces deux nigauds le surveillent? T'en fais pas, c'est aussi facile que de compter jusqu'à 3. Facile? Ah oui. Fais voir. 1, 2... Hey, non, attends! Non! Ça y est! Mais moi, qu'est-ce que je deviens, pauvre idiot? Hey, tu es censé dormir, petit voyou. Tu as faim, c'est ça? Que dirais-tu de venir sur mes genoux pour prendre ton biberon? Tu aimerais ça? Je savais que ça te plairait. Ça suffit maintenant. Tu vas te calmer. Je sais ce qui ne va pas. Au chat, je crois que notre gentil petit soldat a fait un popo dans sa couche. Mais faut pas t'inquiéter. C'est pas parce que je suis un grand général que je ne vais pas te changer ta... Baby Kong, reviens! Non! Qu'est-ce que vous attendez? Allez! Cherchez! La prochaine fois, j'irai à la pêche! Oui, je sais, je sais. En avant! Ça y est, je me tiens! C'est bon, je l'ai, Didi! Donkey, regarde! Et encore une fois, Donkey Kong est un héros zéro et Kenkaroul est le vainqueur. Personne ne gagne quand un bébé est en jeu. Enfin, je veux dire, on joue pas avec la vie d'un bébé. Enfin, le bébé, c'est pas l'enjeu. Enfin, quelque chose comme ça. Si tu t'inquiètes pour le bien-être de cet enfant, sache que je ne pense qu'aux meilleurs intérêts de cette chère tête blonde. Et puis, on va bien s'amuser tous les deux, mon bébé. Devoir prendre soin d'un bébé, c'est pas amusant. Oh, tu peux me croire. Oh non, bien au contraire. Je trouve ça hilarant. Tu n'es pas un bon modèle pour ce bébé. Tu veux vraiment qu'il devienne comme toi? Mais oui, absolument. Mais c'est un singe. Il est tout poilu. C'est un mangeur de bananes qui se balance dans les arbres. C'est un singe, quoi. Et alors, où veux-tu en venir? Regarde les choses en face, Kenkaroul. Même si tu t'acharnes toute ta vie, il sera jamais aussi visqueux que toi. Si, un jour, il sera visqueux comme moi. Non, c'est impossible. Il n'y a personne sur Congo Bongo d'aussi visqueux, écailleux et de plus méchant que toi. Je suis d'accord avec lui, sire. Vous êtes le plus visqueux. Oui, il n'y a pas plus méchant que vous. Il ne s'adaptera jamais. Il va même te rendre ridicule. C'est toi qui es ridicule. Comment le pourrait-il? Je suis sûr qu'il finira par songer. Pour l'amour du marais, dépêchez-vous de l'emmener loin de moi. Vite! Alors, qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le immédiatement! Baby Kong! Oh, il va beaucoup me manquer, ce petit galopin. Eh bien, pas moi! Maintenant, débarrassez-moi de tous ces jouets! J'ai du travail à faire.
Qui est-ce qui a besoin d'un bébé? Ça fiche la pagaille partout. Ça traîne toujours dans vos pattes. Ça pleure pour rien. Et en plus, ça sent pas toujours bon. Ce garnement va tellement me manquer. Qu'est-ce qui m'arrive? J'entends des voix maintenant. Prince Coco Junior? Clump! Sors de là immédiatement, imbécile! J'ai pensé que puisque vous vous cherchiez un héritier digne de vous, vous pourriez déjà me donner vos mémoires. Puisque tu les veux, tu vas les avoir! Juste termine bien, tu vas pouvoir tout raconter aux filles. Je crois pas, non? Elles risqueraient de s'énerver. Il vaut mieux laisser courir. Je vois, t'as peur de ces dames. Coucou, bébé Kong! Ça va, mon chéri? Est-ce que tu t'es bien amusé avec Donkey Kong et Diddy? Grâce, Coco Junior. Grâce, Coco Junior. Je me demande ce qu'il raconte. T'as de la chance, quand il sera assez grand pour tout raconter, tu seras trop vieux pour avoir une fessée. Je dois le reconnaître, Donkey. Finalement, tu es un très bon gardien d'enfants. Je sais. Tu es même meilleur que nous? Eh oui, je sais, tous les enfants m'adorent. Oui, et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, tu es son gardien attitré. Non, je suis un mauvais babysitter. D'abord, j'étais incapable de contrôler Baby Kong. Alors, je l'ai condé et il s'est sauvé chez King Karol qui l'a gardé en otage pour avoir la noix de coco en cristal. J'ai donc volé la noix de coco en cristal, mais King Karol n'en voulait plus parce qu'il s'était attaché à Baby Kong. Et il a fallu que Diddy se déguise en bébé, mais j'ai réussi à convaincre King Karol de nous le rendre. C'est pour ça que je pense que je ne suis pas assez responsable pour ce travail. Si tu n'as pas envie de t'occuper de lui, il suffit de le dire. Oui, c'est pas la peine d'inventer des histoires stupides. Maintenant on a toute la journée pour faire ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je vais aller pêcher, mais toi tu vas être trop occupé pour venir avec moi. Ah bon, et pourquoi? Eh bien, un certain héros a une dette envers son copain pour lui avoir demandé de se faire passer pour un bébé. Et il faut le dire, il a été extraordinaire. T'as pas oublié? Oui, mais... Bon, d'abord, tu vas faire mon lit et nettoyer ma chambre. Ensuite, tu vas ranger ma collection de bandes dessinées. Et quand t'auras fini, il sera tard. Alors tu me feras à manger et t'iras chercher une tarte à la banane chez Candy. Puis tu me gratteras le dos et puis...